Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Maxi Slime, mais cette fois-ci, je vais le réaliser avec un batteur électrique. Enfin, je vais essayer, donc vous voyez, j'ai pris mon petit batteur électrique. Et bien sûr, ce sera un slime sans colle. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de la liker un maximum. Allez, pour commencer, on va prendre de la peinture. Donc ici, je vais prendre de la gouache rouge. Et je vais en mettre pas mal parce que je veux quand même un gros slime. Bon. Alors, ensuite, on va mettre un petit peu d'eau. Hop là. Allez. Pourvu que ça n'en mette pas partout, je crains le pire. Alors, je vais utiliser de la gomme de guar. Donc ici, il m'en restait d'un précédent, une précédente vidéo. Donc la gomme de guar, vous pouvez la retrouver dans les magasins bio. Je pense en pharmacie aussi. Celle-ci, je l'ai trouvée à Botanique. Ça coûte vraiment pas cher. On peut aussi en trouver sur Amazon. Pas évident avec ça. En même temps, ça a l'air de bien mélanger le truc. Hein. Alors normalement, il n'en faut pas beaucoup, mais bon, là, moi, je vais en mettre pas mal parce que je vais rajouter encore de l'eau. Je veux un plus gros slime que ça. Hein. Parce que celui-là, il est trop petit. Hein. Déjà, mon mélange va bien épaissi. On va reprendre de la gomme de bois. Et je vais en remettre. Moi, je pense que là, ça devrait suffire quand même. Hop là, allez, c'est parti. Alors, mon mélange a bien épaissi. J'espère que vous m'entendez bien. Hop là, je vais rajouter de l'eau. Si on veut un slime qui prenne bien, il faut quand même mettre pas mal de gomme de guar. Donc je vais en rajouter un petit peu. Hop là, je vais rajouter encore un petit peu d'eau pour qu'il soit vraiment maxi, hein, le slime. Hein. Voilà. Donc là, je pense qu'on va avoir un gros, gros slime. Bon. Deuxième étape, on va mettre du bicarbonate. Alors, on va y aller généreusement. Hein. Là, je vais mettre... Parce que vu la quantité de slime, on va mettre deux... Il y a 3 litres, hein, là, en fait. Allez, hop. Je mets tout ça. Allez, on va commencer d'essayer de former ce slime. Donc, pour ceci, je vais prendre de la solution pour lentilles. Ici, la Biotrou. Mais on peut aussi se servir de celle de chez Lidl. De chez Action. La fille qui dit n'importe quoi. Allez, j'essaye. Voyons voir si ça va fonctionner. Ah, ça a l'air de prendre. Et je sais pas si vous avez vu, mais regardez. Je commence à avoir du slime là autour du batteur. Bon. Ce truc,
Ouais, j'en ai regardé. Il a commencé de se former. Allez, je continue. Ça va me gicler tout à l'heure. Tout va gicler, je sens. Waouh, regardez. Ça marche. Eh, ça marche super bien. Oh là là. Regardez un petit peu. Oh, c'est génial. Oh là là. Ouah. Est-ce qu'il colle encore? Moi, je dirais que oui. Je pense que je vais rajouter un petit peu de bicarbonate. Un petit peu, tout est relatif. Hein, Allez, hop. Oh là là, oh là là, oh là là. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça donne? Le slime hyper collant. En fait, je sais pas si c'est... Je sais pas si je vais arriver à former quelque chose. Tout est, c'est agglutiné en fait aux parois et ça fait comme... Une catastrophe! Allez, on continue. On va mettre un petit peu plus de l'encre. Faut dire aussi que j'ai mis beaucoup, beaucoup de liquide, quoi. Il y a 3 litres, alors forcément... Ah, 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 ça a l'air d'être vachement mieux. Par contre, c'est... Je sens que mon batteur, il va rendre l'âme. Allez, ça y est, ça se détache. Ouah, comme il sent le chaud, mon batteur. Par contre, ça y est, le slime... Hop. Cette quantité de slime. Alors voilà, mon maxi slime est prêt. Bon, je pense que par contre, mon batteur électrique, il va pas durer très longtemps, vu qu'il sentait le chaud. Ça l'a un petit peu forcé, il faut dire qu'il était très vieux. Donc je pense qu'on peut lui dire au revoir, adieu. Mais bon, voilà. Alors après quelques minutes de repos, mon slime est enfin super prêt. Alors moi, je le trouve vraiment bien. Finalement, avec le batteur électrique, c'est pas si mal. Je crois que j'ai jamais vu quelqu'un en faire au batteur électrique. Hop là. On va essayer de le sortir, mais je crains le pire. Oh, regardez cette masse. Oh là là.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de ce Maxi Slime. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous laisse en compagnie de ce méga slime. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.